grosse larve juteuse et celle du sphinx de l'Euphorbe. Je me suis récemment familiarisé avec les sphinx adultes lors d'une sortie nocturne. Et il faut le dire, les couleurs de cette chenille sont magnifiques, avec une multitude de taches blanches. On peut compter 11 groupes de taches alignées de chaque côté du dos. La tête et la corne de la queue sont couleur rouge corail avec une base noire à l'extrémité de la queue. Cette chenille se nourrit de plusieurs espèces d'Euphorbiacées.